Voici la dernière figurine de notre giga collection de figurines. Pop! Regarde tout ce qu'on a, c'est incroyable, il y en a plein. Oh, tu sais quoi? J'en veux d'autres, t'en veux aussi? Ouais, on en veut d'autres. Oui, on a un souci. On a un problème, c'est que la voiture est en panne, donc on peut pas aller au magasin en acheter de nouvelles. Donc on va rester avec toutes ces pop, tant pis. Coucou, papa Eric. Comment vous êtes, ça va? Ça va et vous? Ah oui, tu vois, on contemple notre collection de figurines pop et je disais qu'on en voudrait d'autres. Mais on peut pas aller au magasin parce que notre voiture est en panne. Oh oui, on peut pas se déplacer, c'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Alors je sais pas comment on va faire, mais moi j'aimerais bien d'autres figurines. Ah ouais, on peut pas se déplacer. Bah on peut pas se déplacer. Bon bah du coup, si on peut pas aller chercher les figurines pop vont peut-être venir à nous. Papounet, est-ce que tu connais le site Trading Pop Market? Mais alors pas du tout. C'est un site qui permet d'acheter des figurines pop de tous les univers possibles et inimaginables. Oh. Donc là, imagine, parce qu'il y en a énormément de figurines pop. Ah bah oui. Voilà, ah oui. Et on peut même vendre les siennes si on a envie de s'en débarrasser. Ouh, c'est génial ça, Mamounette. Oui, du coup, je te propose d'aller faire un tour sur le site, Papounet, et faire une petite sélection. On regarde ça après le générique. Trading Pop Market est super convivial et son utilisation est archi simple puisqu'il suffit de saisir le nom d'une licence ou d'un personnage dans son moteur de recherche pour qu'une liste de figurines pop soit générée. Il propose même une sélection de figurines à tout petit prix. Regardez, les premiers prix sont vraiment très très doux avec des figurines à seulement 3 et 4 euros. Et si l'on est en panne d'idées, pas de problème, Trading Pop Market en déborde. Mais trêve de bavardage, faisons un petit essai. Imaginons par exemple que je souhaite faire l'acquisition de figurines Star Wars. Eh bien, il me suffit de saisir Star Wars dans le champ et de lancer la recherche. Pour affiner la sélection, je clique sur « Pop en vente uniquement ». Et là, je trie par exemple par prix croissant. Et voilà, regardez, il me suffit de faire mon choix parmi les figurines qui s'affichent et de les ajouter au panier. Simple, non? Faisons une nouvelle recherche avec par exemple, allez, Disney. Regardez, je tape Disney et hop. Bon, eh bien à présent, nous allons sélectionner 6 figurines mystères et on se retrouve tout de suite pour vous les faire découvrir. A tout de suite! Et nous revoici encore une fois les petits copains, les petites copines. Bon, vous avez vu, c'est très très simple, hein. Alors, quelques jours se sont écoulés depuis notre commande et nous avons reçu le colis, n'est-ce pas Mamounette? Eh oui, tout à fait. Alors, ça a mis très peu de temps à arriver, Papounet. Et je vois que t'as fait une jolie petite sélection. Oui. Alors, c'est surtout Ellie qui a choisi les petits copains et copines. Elle nous a donné les thèmes, voilà. Et donc, on va vous faire découvrir les 6 pop que nous avons commandés. T'es prête, ma puce? Oui. Tu nous les fais découvrir? Allez, oui. Mamounette, envoie. Alors, regardez, c'est arrivé dans ce petit carton. Et moi, j'ai envie de vous garder la surprise jusqu'au bout. Ah bon? C'est moi qui vais vous les faire passer une par une. Ah bah oui, d'accord. C'est moi qui explique. Oui, c'est Ellie qui explique. Donc, les petits copains et copines dans cette vidéo, je me tais, c'est Ellie qui explique. Voilà. Alors, regardez le site. Voilà, il y a un petit flyer quand j'ouvre le carton. Premier marketplace spécialisé en Funko Pop. Trop bien, hein? Alors ouais, voilà. Je crois qu'on dit Funko, Mamounette. Funko, j'ai dit. Funko. Funko. Pop. Enfin, en tout cas, c'est pop. Moi, je dis des pop. Tu dis quoi, toi? Des pop. Ouais, on dit des pop, Mamounette. Bon, alors, tu nous envoies la première figurine. Eh oui, tout à fait. Mamounette, laquelle je vais choisir? Non. Ah ben celle que tu veux, Mamounette. Allez, Mamounette, envoie, on a... Oh, ça, à mon avis, c'est bien Ellie qui a choisi. Regardez. Alors là, on est dans les pochines. Je vais expliquer. Allez, oui, vas-y. En fait, la pochine, j'aime bien les pochines parce que j'aime bien parce que avant, c'était un dessin animé et il y avait des pochines. Ça, c'est de l'explication, Mamounette. Bah, vous avez compris, en fait, il y avait le dessin animé Pouchine et du coup, elle aime bien les Pouchines, donc elle voulait un Funko Pop Pouchine. Oui, moi, drapeau Mamounette. Avec un petit... Moi, j'aime bien Goldorak. J'espère qu'un jour, il y aura une pop Goldorak. Ah oui, tout à fait. Attends, je vous dis ce qu'il y a ici. Il y a ici Pouchine Unicorn, Pouchine Zorus,
Pushing Mermaid, Push Dragon Chin, Super Pushing Unicorn et Pushing. Voilà. Bah là, Ellie, elle a reçu Dragon Chin. Bah, allez, vas-y, ouvre-la, ma puce. Et ce sont les tiennes. Alors, Ellie a fait une sélection. Elle a vraiment passé du temps à choisir. Oh, il a même une queue, normal c'est un dragon. Eh oui. Un dragon sans queue, c'est plus un dragon, c'est quoi, maman? Elle est magnifique, c'est merci. Un dragon sans queue, maman, c'est quoi? C'est un boubou? C'est un chauve-souris. Une chauve-souris. Oh, il est vraiment trop mignon, les loulous. Tu l'as trop bien choisi, regardez. Oh, elle est trop belle. Elle est belle, j'adore. Les couleurs sont magnifiques. J'adore les couleurs. Moi, j'adore le petit taf. Et j'avais pas vu qu'il y avait. Bah oui, une petite queue pour voler, c'est bien. C'est ça permet bien de se diriger en l'air. C'est pour ça que j'ai les dessins animés, parce que en fait c'est un chat au début. Oui. C'est un chat qui se transforme en dragon. Bah en fait c'est un chat qui a des pouvoirs et qui peut se transformer, par exemple quand il veut. Mais je savais pas. En fait je connais sirène, pas les Pushing. Sirène, non, licorne. Oui, parce que Pushing Mermaid ça veut dire sirène, Pushing Con veut dire licorne, Pushinosaurus ça veut dire un dragon Pushing et Dragonchin ça veut dire un dragon. Unit One, listen to. Super Pushing Unicorn ça veut dire une super licorne et un Pushing ça veut dire un Pushing. Voilà, c'était la leçon d'anglais. Voilà. Ok. Bon bah écoute Mamounette, on passe à la suivante. Et bien sûr. Je vous donne la suivante. Oh, c'est toujours un Pushing. Alors, ça, ce qu'on va faire la plus, c'est qu'on va les déballer. Hein. Pizza. Oh, il mange une pizza, il est gourmand, il est comme Papounet. Ah oui. J'ai choisi parce que j'aime bien la pizza. Ah, ça, bien, en fait, j'aime bien tous les cochonneries à manger. Elle est comme Papounet, elle aime toutes les cochonneries. Elle aime les burgers, elle aime les pizzas. Elle aime toutes les cochonneries. Il y a aussi Pushing with Heart. Pushing avec un cœur. Elle m'a tué. Allez, ouvre-nous cette boîte, ma puce, qu'on regarde. Il y a aussi Pushing parce que moi j'ai hâte. Avec un cœur. D'accord. Oui, en marionnette, franchement, les figurines sont neuves. Hein. Ouais, oui, super qualité. Super qualité. Waouh, waouh, super. Waouh, 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 waouh. En fait, c'est un petit chat, Mamounette. Hein. Bah oui. Ah. Oui, c'est parce qu'il y a des moustaches. Il y a des moustaches. Alors, on va les comparer. On va les regarder. Allez, comparons-les. La queue. Alors, la queue, elle est pas pareil. Oui, d'accord. Le premier a une queue de dragon, l'autre a une queue de chat. Okay. Après, on n'a pas les mêmes yeux. Il y en a un qui fait un clin d'œil. Ah, il fait un petit clin d'œil. Il y en a avec la pizza, avec son bébé. Il n'a pas les cornes. Ah, il n'a pas les cornes. Ce qui ne change pas, c'est les petites oreilles. Après, il y a les ailes. Oui, les ailes. Ah bon, un chat, il n'a pas d'ailes. Non, tu peux pas voler, petit chat. Alors, tu me demandes de plus près. Ce qui change pas, c'est ça. Après, là, il y a des petites écailles. Oui, des écailles. Ah oui, il y a des petites. C'est un poisson chat. Il y a des écailles. Un poisson chat. Regardez le Pushing with Pizza. Oui, pizza oui. En anglais, qui veut dire. Pizza. Quiche Lorraine. Pizza, tout à fait. Oh, il est trop bien. Pizza, 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 pizza. Il est vraiment trop chou. Pizza, pizza, pizza. J'adore. Bon, on passe à la figurine. Oui, figurine suivante. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Pikachu, Pokémon, attrapez-les tous. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Je sans répit, le meilleur. Gagnez tous les défis. Pokémon, je connais par cœur la chanson. Tous. Par cœur, je connais toutes les phrases, tous les mots, tout. Ou presque. D'ailleurs, dans la chanson originale, il citait les 100 Pokémon, les 100 premiers. Ah oui, ouais, bah laisse tomber. Et ben ma sœur, elle savait Pikachu, tout dire. Bah, moi aussi, Pikachu, 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 et Pikachu, et Pikachu. Pikachu, et voilà. L'armée Léon. On n'est pas arrivé. Tu cites les 100, on n'est pas arrivé. Ouais, moi je préférerais quand même avoir la figurine, quoi. Psycho-quack. Psycho-quack. C'est mon préféré, Psycho-quack. D'ailleurs, Pokémon, je crois que vous n'avez pas commandé que Pikachu à vue d'œil. Non. Ellie est fan, alors forcément. Oui, j'adore. Parce qu'en fait, t'as Whistempo, t'as Pikachu, t'as Evoli. Mon préféré entre tous, c'est Evoli. C'est Evoli ton préféré? Comme Lana. Lana aussi, c'est Evoli. Contre Pikachu, c'est Evoli, quoi. Alors, fais-moi voir. Alors. Belle figure. Oh, il a tes petits tons, celui-là. Oh, il est tout petit, ce Pikachu. Alors, c'est un type quoi, Pikachu? C'est un type aquatique, électrique. Bah oui, ça se voit à sa queue qui fait. Et aussi, en fait, c'est pas sa queue qui fait. Ah, c'est quoi? C'est ses oreilles. C'est ses oreilles. Parce qu'en fait, ça va pas comme ça. Hein. C'est des moments
quand il a des attaques rares, et bah là ça sort. Ah d'accord. C'est pareil, normalement ça fait. Et oui, Papounou, Ellie est un puits inépuisable sur les c'est Pokémon. C'est un Pokédex. Il ne faut pas la lancer là-dessus. Alors, Pokédex humain. Je vais choisir votre Pokémon évolué. Voilà. Mais ça c'est plutôt Pikachu. Alors, est-ce qu'on peut le montrer à nos petits copains, aux petites copines, parce qu'ils l'ont pas vu, maman. Regarde, il a la tête. Regardez comme il est chou. Trop beau. Donc, le petit Funko Pop Pikachu, on peut le retrouver sur le site Trading Pop Market, voilà. Et Papounet, tu sais que c'est le seul site qui est spécialisé dans les Funko Pop. Bah, il n'en existe pas d'autres qui vendent exclusivement les Funko Pop. Voilà. Et tu sais quoi, Mamounette ? Trop beau. C'est un site français. Et oui. Cocorico ! Cocorico, bravo les gars. Prochaine figurine pop, Bulle regarde. Bizarre. Et voilà. Bulle bizarre. Alors oh, lui, ça, c'est mon préféré entre Pikachu et ici. Je crois que c'est Evoli, moi. C'est Evoli, mais c'est entre Pikachu et Bulle bizarre, c'est Bulle bizarre. Ah, tu préfères Bulle bizarre à Pikachu? Oh, elle est trop mignonne. Alors, je vais t'expliquer cette attaque. Vas-y, explique. En fait, là, il y a un petit truc qui sort. Un petit nénuphar. Et en fait, après, ça fait des petits trucs. Oui, tout à un fait. Truc qui fait des trucs, je viens de me prendre un coup. Pardon, pardon. Ah oui, du coup, ça te met moins 10 PV. D'accord, à moins 10 PV, j'ai pris moins 10 PV, Mamounette. Et tu sais quoi, Mamounette, c'est un bulbe, ça. Et lui, il est bizarre, donc c'est un bulbe bizarre. C'est pour ça qu'il s'appelle bizarre. Mais non, c'est un bulbe. Ça, ben, c'est un ça, oignon. C'est un oignon. C'est une échalote. Une échalote. Mais non, c'est un nénuphar. Échalote bizarre, c'est non, son je crois que ça fait une fleur. Échalote bizarre. C'est quoi son évolution? C'est Florizarre. Non, Florizarre oui. Nénu Florizarre. Florizarre. Non, Florizarre. Je suis perdu. Tout à fait, trop fort. J'allais dire Draco feu. Je sais pas. Ça c'est à force d'avoir rangé toutes les cartes Pokémon de Lana. Je sais rien, tu m'en as un truc, je sais. Ça s'appelle la science. Moi je sais parce que j'ai presque des millions de cartes Pokémon. Du coup, je sais peut-être tous les prénoms des Pokémon. Peut-être et leur nom de famille. Est-ce qu'on ne retrouverait pas nos petits copains? Il n'y a pas de nom de famille. Non, il n'y a pas de nom de famille. C'est Bulbe, Izard et Voli. C'est pas Bulbe et nom de famille Izard. Prénom Bulbe, nom de famille Izard. Non. Non, c'est Bulbe, Izard, Pokémon. Pikachu, Pokémon. Pokémon, tu veux dire Pocket Monster. Pokémon, Pocket Monster. Paf! I've got Pocket, I've got Monster. Pokémon, I've got Pocket, I've got Monster. La tête. Bon, on va vous montrer quand même. Allez, je vois Bulle bizarre, moi, je suis hyper loin de vous. Viens me chercher. Viens me chercher. Regardez comme il est chou. Oh, le tronc. Il est chou wasabi quand même. Hein. Oh, il est trop mignon. Tu trouves pas qu'il est chou wasabi? Et puis, il est assez lourd, hein, Bulle bizarre. Chou wasabi de Julien Doré. Trop mignon. Non, Mamounette, il est chou wasabi. Ouais, non, mais. Comme Julien. 1, 2, 3, 4, comme Julien Doré. Il nous en manque encore deux. Regardez la prochaine. Alors moi je ne connais pas personnellement. Moi je connais, c'est Dusty Peach. Moi je connais pas non plus. En fait, soit t'as. En fait, il y en a un qui s'appelle Udon Kitten. Et en fait, lui il mange des nouilles. Udon Kitten. Et Queen Bee Miyoshi, c'est le plus mignon d'entre tous. Aussi, on a Udon Kitten, Vanilla Berry Narval. Et zombie alpaca. Il y en a tout. Alpaca. Alors, je vais vous traduire en français. Vas-y, traduis. Queen Bee. La reine des. La reine des abeilles. Miyoshi, c'est son nom de famille. Bah, Miyoshi, ça veut dire le chat. En fait, oui. C'est un chat abeille. C'est une reine chat abeille. Oui, en fait, après, t'as Udon Kitten, du coup, c'est quelqu'un qui mange. C'est un chat qui mange. Les Udon, là, après, les Udon, c'est les pâtes asiatiques. Après, Vanilla Berry, ça veut dire vanille. Fraise. Berry, c'est plutôt Narval, ça veut dire narval. Un narval. Et zombie alpaca, ça veut dire zombie alpaca. Un alpaca zombie, quoi. Alpaca zombie. Alpaca zombie. Venez me chercher. Bon, loup. Moi j'ai hâte. Oh, et alors, du coup, ça vient d'un dessin animé? Oui. Ah, d'accord. C'est un manga. En fait, c'est un manga. C'est un manga aussi. Ah, mais moi je connais pas, Mamounette. Là, je connais que lui. Et lui. En fait. Moi je connais tout. Aussi les bouchis. Tout ce que je crois, c'est que je connais. Like.
Bon, alors, Mamounette, regarde-moi cette beauté. Oh, regardez, sur ses ailes, elle a des petits cœurs. Oh, il y a des cœurs dessinés. Elle est tatouée. Il est tatoué, ce chat. Il est tatoué, Mamounette. Il est tatoué, il est pas tamoué. Il est pas tamoué, il est tatoué. T'as vu, je t'ai capté ta blague. Là, le dos. Bah oui. C'est le dos, mon petit cœur. Ouais, ok. Et là, le devant. Il est vraiment très mignon, ce petit chat abeille reine. Une chat abeille. Une chat abeille, hein. Oh, elle est trop mignonne, regardez. Oh, c'est trop chou. Wow, la grande, ton premier fait. Super. Trop beau. Non, on voit pas, mais. Regarde, Mamounette, elle a fait déjà. Bon, allez, les petits loulous, est-ce qu'on découvrira pas la dernière? Le dernier, Mamounette. Tiens, ma petite puce, alors là, on est sur Adventure Time. J'adore Mamounette. Et Minecraft, c'est trop bien. Ouais, j'adore Adventure Time. Adventure Time dans Minecraft. Adventure Time, c'est un dessin animé complètement loufoque, Mamounette. Il mélange tout un tas de styles. Il y a du découpage, il y a de la 3D, il y a du dessin classique, c'est génial. Et il y a moi, j'ai eu Princesse Bubblegum. Princesse Bubblegum, en fait, c'est une princesse du Chimgum. D'accord, c'est ça. Et en fait, c'est celle que je voulais trop aussi. Il y avait Marceline que je voulais. Marceline. On peut aussi avoir Phil, Commandera, Mamounette. Jake, Marceline, Princesse Bubblegum. Bubblegum, c'est pas Bubblegum, c'est Bubblegum. Ça, ça sera dans la lesson 3 de la unit 3. La prononciation. Regarde, Mamounette, ce qu'on peut avoir. Ah ouais. Ok. Alors, moi, je connais Jake dans Adventure Time. Comme moi. Regardez, elle est rose comme le t-shirt d'Ellie. Elle est assortie. Ah oui. Non, par contre, Ellie, elle a Roblox, elle a pas Minecraft. Ah oui. Parce qu'il faut dire, elle a un t-shirt Minecraft, mais il lui va plus. Ah, voilà. Il est trop petit. Elle est serrée. Ah. Oui. Alors, est-ce qu'on peut voir cette figurine? Parce qu'elle m'a l'air exceptionnelle. Là, tu mets du maquillage. On peut se maquiller avec une figurine, pas? Mais faut pas. À tester. Ouais, tu peux faire de la cuisine aussi, hein, parce que là, t'as une échalote. Oh, ce serait dommage de la vie, mais ouais, ce serait dommage. Elles sont magnifiques, ces figurines. Est-ce qu'on peut voir la dernière figurine? Parce que moi, je l'ai encore pas vue. Je vais montrer le dos. Bon, d'accord. Voilà. Donc, c'est un carré rose. On dirait une glace. Un carré rose, voilà. Avec des longs cheveux comme moi. Ah, ouais, des carrés quand même. Et après, là, et vous après... voyez, là, en fait, vous pensez que c'était une fourchette? Oui, c'est une cuillère. Et bah, c'est une cuillère avec un point rose. Une cuillère avec un point rose. Un point bleu. C'est n'importe quoi. Le point bleu. Et là, t'as les yeux. Ouais, okay. Avec la petite bouche. Mm-hmm. Là, t'as le corps. D'accord. Oh, eh ben, regardez. C'est quoi, Mamounette? Ouais, elle est spéciale, hein, c'est spécial. Ah bah, elle est carrée, elle est pixelisée. Hein. Et oui, tout à fait, parce que dans Minecraft, tous les personnages ont des têtes carrées et voilà, sont pixelisés. Bah oui. Tout à fait. Bah oui. Oh, trop chouette. Donc là, Mamounette, c'est deux licences rassemblées, hein, Minecraft et Adventure Time. Tout à Donc fait. En fait, c'est le dessin animé façon Minecraft. Adventure Time. Tu prendras des cours avec Ellie pour la prononciation. Unit 12, 12. Donc ça, Mamounette, c'est génial parce qu'on a deux licences. In one seule license, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de faire une tour. Regardez, les petits copains, les petits copains. Tu peux me tenir? Est-ce que ça va tenir? Alors attends, je vais faire un truc comme ça. Voilà, voilà. Quoi, il y en a encore un? Je vais voir, je vais le mettre. Ouais, ça tient! Regardez, petits copains, copines, ça tient, c'est merveilleux ça! Eh ben, maintenant, on met des pommes dessus. Alors, je suis pas sûr, non. Alors, non. Et les petits loulous, avant que tout se casse la figure, il y avait une petite lettre également. Regardez. Non, c'est pas vrai. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Je la laisse ouvrir. Oh, regardez. Lettre pour Elise Magic World. On dirait que c'est un enfant qui a fait cette lettre. Oh oui, regardez les petits copains et copines. On avait une petite lettre d'abonné dedans. Bah, tu veux la lire? Alors, on va essayer de déplacer ceci. Voilà, comme ça on voit plus, c'est très bien. Allez, lis la petite lettre, s'il te plaît, mon petit chat. Lettre pour Ellie Magic World. Ouais. Wow, et une petite fleur, on vous montrera le dessin. Bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 9 ans. Bonjour Eva. Et je suis une grande fan de Ellie Magic World depuis longtemps. J'adore vos vidéos, vous êtes
génial. Je vous adore. Continuez comme ça, Eva. Oh, c'est trop mignon. Oh, merci beaucoup, Eva. Eva, c'est trop gentil. Elle s'est dessinée. Ah oui. Elle a les cheveux clairs avant, Elle a les cheveux noirs, en vrai. Non, elle a mis cheveux noirs. Ah bon, bah j'ai tout faux. Donc, elle a les cheveux noirs. Regarde, elle nous a fait une petite fleur. Bah, merci beaucoup pour la C'est quoi ça? Elle a gardé bien précieusement. Bah, ça, c'était l'enveloppe qu'elle a fait. Vous avez fait un petit pliage tout à l'heure. Et c'est pratique. On peut les empiler, regarde, comme elle a la tête carrée. Oui, tout à fait. Moi, par exemple, non, j'ai pas de tête carrée, ça tient pas. Mais elle a la tête carrée. Bon, les petits loulous, on vous met le lien dans la barre d'information du site. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que Mamounette n'avait pas une bonne idée, Mamounette? Oh là là, t'avais trop une bonne idée. On ira souvent chez Trading Pop Market, Mamounette, pour faire nos petites emplettes. On reste à la maison, on clique. Et ça arrive directement dans la boîte aux lettres. Bon, les petits copains, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait de gros bisous, likez, partagez, commentez. Rendez-vous sur Trading Pop Market. Je vous mettrai le lien. Hein, dans la barre d'infos, bien sûr. Tout est en barre d'infos. Il y a toutes les informations. C'est génial. Et tu sais quoi, Mamounette? À l'heure actuelle, là, tu vois, à l'heure actuelle, là, oui. on va montrer l'armée Léon. C'est pas du tout ça. Il y a plus de 1000 figurines pop qui sont disponibles sur le site. Et tous les jours, il y en a encore plus, encore plus. Donc comme tu peux... Bulbazar. On peut pas parler. Et donc quand vous regarderez cette vidéo, les petits copines, il y en aura certainement encore beaucoup plus. On va vous laisser, nous on va jouer avec les figurines pop, Mamounette. Gros bisous, à très bientôt. Au revoir.